Salam Shalat Konopher, composition troisième année. Composition pour troisième année et en même temps une petite révision. Texte c'est au zoo. Sarah et son ami Karim vont à la ferme pour voir des animaux domestiques à côté de la vache. Karim voit deux poules. Donc on a dit à partir de ces dernières vidéos, on va parler en français. On va parler en français pour mieux apprendre. Karim veut voir le chien, mais Sarah pleure car elle a peur du cheval. Au zoo, ça c'est où il y a les animaux. D'accord? Donc Sarah et son ami Karim, vont à la ferme. La ferme pour voir des animaux domestiques. Il y a des domestiques et sauvages. Dans la ferme, on trouve les animaux domestiques et dans le zoo, on trouve les animaux sauvages. À côté de la vache, Karim voit deux poules. Donc la ferme, il y a les vaches, les poules, les chiens, quoi encore, les moutons. Karim veut voir les chiens, mais Sarah pleure car elle a peur du cheval. Pour les questions, incompréhension de l'écrit, on va comprendre le texte, qu'est-ce qu'il y a dans le texte. Qui sont les personnages du texte? On parle de qui dans le texte? Donc il y a personnages sont Sarah, Karim, d'accord? Question numéro 2. Relève du texte un nom d'un animal. Il y en a beaucoup. Il y a les poules, la vache, le chien et le cheval. Tu choisis un nom. 3. Pourquoi Sarah pleure-t-elle? Pourquoi Sarah pleure-t-elle? Elle pleure parce qu'elle a peur. On répète la question. Sarah pleure parce qu'elle a peur du cheval. C'est la dernière phrase. Question numéro 4. Relève dans le texte. Regarde. Le synonyme de regarde. Donc, regarde, voir. Puisqu'il nous a donné le verbe conjugué, on va donner le synonyme aussi. Conjugué, voir. Donc, voir, voir. 5 complète avec il. Il singulier ou bien il pluriel. Elle singulier, elle pluriel. Donc, il y a des images avec des phrases où il manque pronom. Donc, 1. Elle danse. Elle au pluriel. Deuxième image, il joue au ballon, il singulier, elle va à l'école. Dernière image, c'est des garçons qui jouent, donc il au pluriel, il avec S joue au ballon. Exercice numéro 6, écrit au pluriel, pluriel. Un ami arrive, donc on va dire des amis arrivent. Exercice 7, classe les mots dans le tableau. Donc 7, classe les mots dans le tableau, il y a des mots, on va les classer dans chaque colonne. Il y a dans certains mots, le S se prononce S ou bien Z. Donc, on a dit qu'il y a des S qui prononcent S ou bien Z et des G qui prononcent G, GU ou bien J. Une tasse, donc deuxième colonne. Un oiseau dans la première colonne. Une gazelle, première colonne. Une girafe dans la troisième colonne. Ça se prononce G. Allez, j'espère que vous a plu. À la prochaine. Mettez-moi des likes. Abonnez-vous, appuyez sur s'abonner de YouTube et inscrivez-vous. Allez s'inscrire sur mon compte Instagram, je vais vous mettre des sujets. Allez, salam!